correspondance, lettres script, memory des lettres. Alors, vous avez le support à imprimer. Donc, vous avez la lettre en capitale et la lettre en minuscule pour toutes les lettres de l'alphabet. Il faut découper toutes ces étiquettes et vous pouvez jouer au memory. Vous pouvez procéder par feuille parce que sinon ça fait énormément de lettres. Mais voilà, vous pouvez procéder par feuille et aller étape par étape sur plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Donc j'ai découpé certaines étiquettes et vous connaissez déjà les règles du jeu, mais je les réexplique. On commence à retourner deux feuilles, deux étiquettes. Et cette fois-ci, à chaque fois, on nomme la lettre, pardon, la lettre qu'on a retournée. Le F et le A. Je retourne. Ce ne sont pas les mêmes lettres, donc je laisse le joueur en face de moi jouer. Le D et le L. Ce ne sont pas les mêmes lettres, alors je laisse l'autre joueur jouer. Le J et le C. Le E et le K. Le B. Ah, c'était le D ici. Ouais, le D. Non, ce ne sont pas les mêmes. Pour le prochain joueur, le D et le D. Ce sont les mêmes. Donc pour l'enfant qui peut et qui va certainement être en difficulté, n'oubliez pas la petite réglette des correspondances. Comme ça, il peut s'aider et regarder en même temps. Il connaît très bien normalement les lettres en majuscules et il pourra vérifier si c'est une lettre qui correspond à la majuscule grâce à la réglette.